mon père est mort quand j'étais très jeune. Et tous les souvenirs que j'ai de lui sont cristallisés ici, en fait. Du coup, ça a toujours été un lieu important pour moi, pour ma mémoire. Et j'y suis venu très souvent, ado. Et après, j'ai enregistré mon troisième album ici, Le Phare. Et c'était important, et c'est un lieu où j'arrive à travailler facilement. Sans doute justement parce que c'est une espèce de... J'ai des souvenirs ici, lointains, donc ça doit faire une espèce d'assise, et je me sens à l'aise, quoi. Donc voilà, petit à petit, je suis venu habiter ici à plein temps, quoi. Et puis maintenant, il y a le studio, enfin c'est un peu le paradis. Puis j'aime bien aussi, moi c'est une île de marin de commerce. Et moi je pars souvent en tournée, donc aussi c'est un truc, cette espèce d'absence en fait, de retour aussi sur l'île. Je pense que c'est. Enfin, mon mode de vie correspond à l'île, quoi. C'est typique comme condition où en fait il n'y a pas beaucoup de vent, mais il y en a un peu quand même, et c'est tout le temps comme ça, quoi. Là on est à la pointe de Cadoran. Ça fait partie de mon parcours quand je fais du vélo, et j'aime assez cet endroit, il est assez sauvage. Souvent je fais au lever du soleil, enfin en ce moment là, assez tôt le matin. Et la lumière est magnifique. Bon, aujourd'hui ça crachit, mais et c'est tout gris, mais c'est trop beau. Hier ça devait être super beau. En face, il y a... Enfin là on la voit pas encore, cela dit. Il y a l'île Keller, qui est une île avec une maison qui est partagée. Enfin, apparemment c'était un compositeur qui habitait là. Et alors c'est... Il y a la chaussée de Keller. C'est un endroit assez dangereux. Et entre l'île et l'île, en fait il y a un courant qui est assez fort. Et sinon, après on a le créage en face. La tour du Stiff. Et voilà, et on est... Bah du coup c'est plus les Scilly en face. Et la Cornouaille. J'aime bien ça, moi, à Ouessant, justement, cette connexion entre les... Enfin, de pouvoir se repérer et de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Les falaises du Stiff là, apparemment c'est les plus hautes du Léon, ce qui est quand même incroyable. Donc ouais, on est assez haut sur à Ouessant. Je pense que la montée des eaux sera un peu à l'abri. J'aime bien venir ici parce que c'est un peu en dehors des sentiers battus, enfin touristiques. Après c'est assez bizarre parce que même en été, quand il y a plein de touristes sur Ouessant, en général on a l'impression qu'ils disparaissent sous terre ou qu'il y a un réseau de souterrains. Non, on les voit pas se balader trop en fait sur les sentiers, et encore moins ici.
c'est hyper connu, Ouessant, pour les oiseaux migrateurs, ou en octobre. Ah, du coup, il y a plein d'oiseaux qui... Il y avait une... Je connais pas les noms. Une chouette blanche qui venait du Canada, je crois. Une année, qui était assez rare, je crois. Et ouais, il y a plein d'oiseaux migrateurs, c'est génial. Parce que c'est la... Bah, la première terre où ils se posent avant l'Europe, en fait. Quand ils traversent l'Atlantique. En fait, il neige rarement à Ouessant, hyper rarement. Et en 2018, il a neigé un petit peu et c'est magnifique. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et juste le jour où il a neigé, le soir, il y avait tout le champ derrière la maison qui était envahi par... où il y avait des oiseaux que j'avais jamais vus. Alors c'est des oiseaux qu'on trouve en Angleterre aussi. Et qui était assez commun avant, un peu moins même maintenant. C'est pas des oiseaux rares, mais ils faisaient un bruit, ils chantaient toute la nuit. Enfin, ils chantaient même le soir quand il y avait leur cri. Et c'était assez bizarre parce que c'était la première fois, je les avais jamais remarqués en tout cas. Et là, cette espèce de présence sur toute l'île, c'était incroyable. Et je les ai enregistrés. Et c'est dans l'album Al. Un morceau qui s'appelle R, ça veut dire neige en breton, justement. En breton, Al, c'est les autres. Et en anglais, c'est tout. J'ai toujours été assez attiré par la musique électronique. Et je pense que plus ça va, plus je m'aperçois que les instruments, en fait, acoustiques, c'est très lié à l'homme, en fait. Enfin, c'est très contrit comme instrument. Le piano, c'est le super exemple de ça. Un piano, en fait, c'est un espèce de truc monstrueux quand on y pense. Il y a eu un reportage là-dessus qui est super beau. Enfin, un reportage sur Richi Sakamoto. Et à un moment, il fait justement des field recordings et il trouve un piano à Fukushima qui a été complètement dégommé par le tsunami. Je pense que si on passe par là, on y arrive. Il dit qu'en fait, ce piano, il n'est pas dégommé par le tsunami, c'est qu'il retourne à son état naturel. Et qu'en fait, un piano, c'est des forces énormes sur des morceaux de bois, quoi. C'est complètement artificiel, c'est barbare comme truc quand on y pense. Pour le morceau de bois, quoi. Enfin, Et je trouve que les instruments acoustiques, il y a un côté où il faut apprendre. Il y avait plein de techniques, et surtout le piano qui est l'archétype de l'instrument limité en fait, et hyper artificiel. Alors que l'électronique, bizarrement, ça se connecte, enfin, il y a l'électricité dedans qui échappe à tout contrôle en fait, d'un moment ou à un autre, enfin, c'est la nature en fait. Et je trouve que la nature est plus présente dans un module, un synthé modulaire, que dans un piano où en fait elle a été complètement mise en cage, enfermée, torturée. Et je trouve que là, il y a une liberté incroyable dans la musique électronique et c'est génial. J'aimerais bien échapper à ça, au système tempéré, là, aux 12 notes de la musique occidentale et plus aller vers des choses microtonales et des textures et plus libres et plus en phase avec la nature justement.
Et c'est pareil, les instruments électroniques, ça permet vachement de... Ben, y a tout... C'est libre, quoi. Ça me donne envie de faire... Parce que j'ai un petit système MS. Faire du field recording et je... Souvent j'ai la flemme et je pars avec un zoom ou j'ai même un petit micro pour l'iPhone et je fais ça de temps en temps, mais faudrait que je prenne mon vrai magnéto pour le faire parce que ce serait plus sympa quand même. Après j'ai un hydrophone aussi, c'est génial ça. C'est pareil, il faut que je prenne du temps. Bien le vent là. Bah ouais, voilà. Comme c'est tout le temps un peu comme ça, parce que là il n'y a pas beaucoup de vent en fait aujourd'hui. Bah des fois ça faut se motiver quoi pour sortir ou pour aller se balader. Après c'est toujours génial. Hein. À Ouessant, le vent, c'est quand même la constante. Enfin, c'est rare qu'il n'y ait pas de vent. Après, c'est aussi une source d'énergie pour voyager, justement, le vent. Du coup, il y a tout ce mélange. Et après, moi, pour justement enregistrer des fils, enfin, faire des field recording et enregistrer à l'extérieur. Bah là, pour le coup, des fois, c'est un peu aussi une nuisance parce que c'est là présent tout le temps et alors faut pas le prendre comme ça. C'est qu'en fait, il y aura le vent partout. C'est du bruit blanc, le vent. Et du coup, c'est sûr que j'ai envie d'avoir autre chose. Moi, je fais beaucoup de vélo aussi. Donc le vent, c'est dur. C'est un des trucs les plus durs à vélo. Je regarde s'il y a un bateau qui passe. Je pense que de vivre dans un endroit où les éléments sont présents et rythme justement les jours, ça rallonge le temps et moi j'ai l'impression de faire beaucoup de choses, de pouvoir des fois faire beaucoup de choses dans une journée, d'avoir un peu plusieurs vies, surtout. Parce que la vie, elle est rythmée de façon simple. Et moi, je me sens libre et j'ai du temps ici. À Ouessant, il y a cette espèce de côté hyper... la communauté qui est vachement là. Mais aussi de l'isolement, parce qu'on peut s'isoler et être complètement seul aussi si on veut. Il y a des gens à Ouessant qu'on voit jamais au bourg, par exemple. Quelques-uns qu'on voit pas. Ouais, voilà. Moi, ça peut m'arriver aussi des fois, si je travaille, ou de pas interagir. Enfin, surtout après, avec les périodes de confinement, et puis avoir des. Puis moi, j'étais un peu à risque, donc on en faisait hyper gaffe. Il y a des moments où j'ai pas vu. Vraiment vu personne pendant très longtemps. Quand je travaille, parce que je suis assez solitaire, enfin, j'aime bien oublier la mer et les éléments. Moi j'ai toujours aimé ça, les studios, alors après on dit ça alors que là on est face à la fenêtre et qu'on voit la paix, mais dans la salle de prise elle est fermée, enfin, et j'aime bien des fois être là et
avoir l'impression d'être ailleurs, justement, des fois peut-être même en me dire que je suis dans une ville et ou je sais pas où, mais enfin et j'ouvre la porte et là il y a je redescends sur terre et je me dis ah ouais non je suis à Ouessant, enfin je peux être me perdre dans le travail, en plus être travailler sur des textures électroniques ou être devant l'ordi, donc dans un truc pas du tout fermé dans une bulle, et du coup j'aime beaucoup ça, le contraste entre lieu de travail. Et une fois j'ai eu justement à l'étage, j'ai eu un flash comme ça de 2 secondes qui était très bizarre, c'est que la console elle est dans les combles, enfin il y a des lambris comme ça, et il y a un Velux. Et je travaillais, j'étais face à l'ordi, et donc du coup, dans le studio en haut, on voit la mer. Mais là, j'avais oublié, en fait, enfin, je ne la regardais pas. Et pendant 2 secondes, j'ai eu le flash d'être, en fait, devant une soupente dans une ville, en fait. Et ça m'a fait très, très bizarre. Parce que du coup, ça m'a angoissé, j'ai eu une bouffée d'angoisse en 2 secondes parce que j'ai pas d'un je me suis transporté ailleurs, et du coup j'ai tourné la tête et j'ai vu la mer et je fais ah ça va. Du coup dehors c'est dedans, et quand on est dedans on est dehors, en fait c'est l'extérieur, et j'aime bien cette image, la nature elle est partout. C'était Dans les vents de Ouessant avec Yann Tiersen, deuxième épisode. Une production et réalisation d'Aurélien Frances pour Silence Podcast.